Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Active et vous me connaissez déjà, c'est Amadou Koné de blognaissant.com. Nous sommes de retour avec les nouvelles émissions et aujourd'hui nous sommes dans l'émission Super Power. Et dans l'émission Super Power, nous allons effectivement aujourd'hui parler de quelque chose d'intéressant. Comme on vous a promis dans la série de ces vidéos, nous allons parler effectivement de quelque chose d'intéressant. Quelle est l'importance de travailler pour soi. Et dans cet objectif, vous savez, nous sommes dans une société qui s'engage à accompagner les gens à réussir dans ce domaine. Bon, bien avant de vous parler de ça, je vais vous donner peut-être mon point de vue, mais je suis sans doute sûr que vous allez être d'accord avec moi. La première des choses, quand vous travaillez pour vous, c'est une grande opportunité pour vous de vivre la vie de vos rêves. Deuxième chose, ça vous permet d'être libre. Puisque vous ne travaillez pas sous les ordres de quelqu'un. Quelqu'un ne décide pas de ce que vous allez faire. Troisième chose, c'est ça qui crée toute la différence. Parce que vous avez décidé d'apporter ça dans votre vie et personne d'autre ne pourra décider pour vous. Maintenant, une petite chose que vous devriez savoir, ou du moins que vous vous devez de savoir, c'est la différence, parce que les gens ne comprennent pas. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir un travail et il faut avoir un business. Et vous devriez savoir que c'est le business qui vous rend, qui vous garantit votre liberté financière par le travail. La différence entre les deux, c'est quoi? Le travail, ça, c'est une profession. C'est ce que vous faites. Ou bien, c'est ce que vous pouvez léguer à vos enfants. Ça, c'est votre travail. Non, du moins, ce que vous ne pouvez pas léguer à vos enfants, c'est ça, le travail. Le travail que vous faites, c'est ça que vous ne pouvez pas léguer à vos enfants. Si vous êtes DG dans une boîte, je ne dis pas PDG, on vous a nommé directeur, je ne sais pas quoi. Quand vous allez quitter, vous ne partez pas avec cette fonction. Ou bien vous ne pouvez pas dire que c'est héritage, vous allez mettre votre enfant. Ça, c'est votre travail. Tout le monde doit avoir un travail. Maintenant, ce qui peut vous garantir et vous permettre de vivre la vie de vos rêves, c'est votre business, votre affaire. C'est ce que vous pouvez léguer à vos enfants. Je donne un exemple. Supposons que vous travaillez dans une entreprise et en même temps, vous vendez par exemple des véhicules. Quand vous allez mourir, vos enfants vont continuer à vendre des véhicules, mais ils ne pourront pas aller travailler là où vous étiez. Donc, ça c'est effectivement du business. Et c'est ce qui peut vous garantir une liberté financière. Et je termine débrouillez-vous pour devenir votre propre patron et travailler pour vous-même. C'est le seul chemin pour que vous puissiez atteindre la liberté financière et vivre la vie de vos rêves. C'est Amadou de blognaissant.com et nous sommes là et nous étions dans l'émission Super Power et ça fait partie de la série de ces vidéos. N'oubliez pas, allez-y sur blognaissant.com et n'oubliez pas aussi d'aller regarder sur notre site officiel www.renobusint.com et dans ce site, c'est une plateforme qui vous offre de la publicité aussi de la visibilité sur internet. Donc, allez-y regarder et vous pourrez nous contacter par mail, par appel, par SMS, comme vous voulez, pour recevoir le livre. Allez, on se donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles émissions. Allez, bye bye.